Yeah. Bah chaque monde, yon nan sa ou? Non? Bah chaque monde. Oui, chaque monde. Là tout le monde, trois petits. Oui, bah toi, oui. Ou loin foule là? Oui, mon frère, foule là, oui. Communication. Allez, l'approche, c'est le pour web, non, pour beaucoup de monde, non, yo. Bah, c'est une petite à l'écart. Non, ouais, c'est lui qu'on s'enfile, on va l'autre bord, on va l'autre bord. Ça file là-bas, quoi, non? Ça file là, c'est lui. Hein? Ça, ça. Mes frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour commencer la célébration. Connaître et vivre.
les appels, pour allumer les soins comme feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur des plus. Et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mirlanda. Joseph Junior, Lojean, Madame Immacula, Frère Mio, Sœur Mio, bonjour. Nous rassembler matin pour nous capables accompagner la famille Valère qui est attristée, endeuillée à cause du départ de M. Joseph Valère. Nous sommes rassemblés pour prier les uns pour les autres. Nous sommes rassemblés pour prier d'une façon spéciale pour le repos de l'âme de M. Joseph Valère. Comme nous le savons, la mort n'est pas un débat, c'est plutôt un examen où personne n'échoue et ne peut s'échapper. Ou pour mieux dire, la mort est un vêtement que tout le monde portera. Sur ce, je vous invite, frères et sœurs, à vous disposer pour célébrer les funérailles de notre frère Joseph Valère Didio, né le 15 mai 1948. Pour accompagner cette famille attristée, endeuillée par le biais de nos prières et de notre solidarité fraternelle. Et avant de nous recommander à la miséricorde de Dieu, je vous invite à vivre dans une attitude de recueillement, un signe que les fils de notre frère Joseph vont réaliser pour exprimer leur reconnaissance et leur gratitude envers leur père qui les a été si chers durant toute la vie. C'est un geste à vous témoigner leur foi en la résurrection des morts. Et maintenant, nous invitons trois petites, M. Joseph Yo, pour être capable d'allumer un siège, une chandelle, une baleine, comme signe de foyer dans la résurrection, remettre là dans la résurrection des morts pour montrer que papa, l'homme n'a pas fini avec lui. Il est bien pour lui aller, pour la réjouir, bon côté bon Dieu dans le ciel.
Et maintenant, frères et sœurs, reconnaissons nos péchés, demandons pardon au Seigneur pour les péchés commis par M. Joseph Valère durant sa vie sur terre. Devant bon Dieu qui gagne tout pouvoir, devant nous-mêmes tous, frère Maxime, yo, moi reconnaître, moi faire en pile péché, non ça moi penser, non ça moi dit, non ça moi fait, moi reconnaître, moi pas faire tout ça pour me te faire, tout ça c'est faute moi. C'est pour ça demander Marie qui saint et qui toujours était vierge. Et puis nous-mêmes tous, frère Maxime, yo, la prière, bon Dieu, remette-nous en pour moi. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées et viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Le Seigneur. Bon Dieu, grand maître nous, fais-nous reconnaître qu'il est souillé pour nous. Yon papa qui remet pardonner. Yon ami qui va jamais lager nous. Yon bon Dieu qui veut la vie pour tout ça l'y créer.
Dans la prière pour serviteur, Joseph Valère, ou relevin jouen nous. Li ta vive sous terre, li te mette toute conviction nan ou, et tout espoir te planté nan ou. Kounye a li kite nan, pardonnel tout péché liyo, toute négligence liyo, et recevoir la caillou, noble Jésus, te al pare pou liya. T'en prie, bon Dieu grand maître, bon Dieu papa, l'ouvri bras ou bien large, pour séparer avec lui, la vie côté pas gen souffrance, ni de l'onange encore. Et nous-mêmes, bon nous la foi femme, qu'à soutenir dans le chemin la vie, bon gros espoir pour nous porter quoi tant que Jésus, avec assurance, dans la victoire, ou promettre bon serviteur ou yo. Pas pour voir Jésus-Christ grand, mettre nous petit tout. Les vivants, les rois, les bon Dieu, l'a commandé ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Seigneur, depuis tout temps et pour tout temps. Paul a montré sa yon patizan Jésus-Christ. C'est un monde qui bâtit toute la ville sous Jésus. C'est un monde qui remet ni la ville ni la molle dans mes grands maîtres là. Dans l'être Paul écrit l'église Rome là, chapitre 14, saute verset 7, rivé verset 9. Frèm ak sèm yo. Réellement vrai. Personne parmi nous pas vivre pour être li. Ni personne pas mourir pour être li. Gardez non. Si n'a vive, c'est pour grand maître là. Si nous mourir tout, c'est pour grand maître là. Comme ça, quitte n'a vive, quitte nous mourir, c'est pour grand maître là nous y. Réellement vrai, Christ l'a mouri et puis il est tourné vivre pour li vinn mettre ni monde qui mourit, ni monde qui vivant. Parole grand maître là. Je serai avec toi. Si tu...
tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas, car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, le Dieu d'Israël, ton sauveur. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et pitié. Ne crains pas, je suis avec toi.
à nos campés. Bon Dieu, grand maître, là avec nos toutes. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après lui qui saint. Louange pour grand maître. Chapitre 12, saute dans verset 35, rivé dans verset 40. Jésus dit, partisan Lio, Marie Saint-Tine n'en reno, l'humain lampe non. Nous devons être comme monde qui espère mettre. N'importe qui l'a, l'a tourné, saute dans nos. C'est pour vous ouvrir bali tout de suite, pour le river, pour le frapper. À la chance pour s'éviter ça, mettre la vache à veiller le river. En vérité, m'assurez-nous, la marée Saint-Île, la fait au chita botable, l'approcher pour le servir. Les mettre river. Dans le premier sommeil, ou bien dans le deuxième sommeil, d'abord, les jeunes gens, c'est chance pour messieurs ça. Nous te connaissons ça, si mettre Kaila te connaît, qui le volet a venu, l'état veillé, bien veillé, et il n'y a pas ta blessé, casse Kaila. Nous même tout, pareil qu'on nous, parce que c'est l'idée de nous pas sous ça, petit monde, non. Avvini. Te parole douce et ton fardeau léger. Apprends-moi, Seigneur, la douceur. Frères et sœurs, nous sommes réunis ce matin dans cet espace pour célébrer les funérailles de papa qui a vraiment marqué la vie de leur fils. Et qui a vraiment joué son rôle de père, les pas de jambes quitté Timounio abandonné. L'elle sorti dans la rue, l'elle entrée, elle a toujours envie pour le bobo, yo, pour l'embrasser, yo, pour le demander yo comment journée t'est passé, comment yo y est. C'est bien M. Joseph Valère qui nous a réunis, le papa de trois fils, Mirland, Katia, Joseph Junior, et le grand-père de deux petits-fils, Ethnica et Rugby. Il est aussi le papa adoptif de Lojan Laguerre. Il était un papa très affectueux, très jovial, très courageux, très amusant. Alors nous pouvons comprendre, sans grand discours, comment la famille Valère est attristée, est déboussolée à cause du départ de monsieur Joseph Valère, dit Dio. Le départ de notre chair est toujours un moment qui nous dépouille de notre joie, qui nous dépouille de notre tranquillité, qui nous dépouille de notre calme, de notre paix. C'est un moment de trouble, un moment d'angoisse, un moment de beaucoup
le départ de notre chair est toujours un moment qui nous dépouille de notre joie, de notre tranquillité, de notre calme, de notre paix. C'est un moment de trouble, un moment d'angoisse, un moment de beaucoup de peine, car personne ne veut vraiment se séparer de notre chair. On veut toujours la voir à ses côtés. En effet, la séparation n'est jamais quelque chose d'agréable, quelque chose facile à accepter. Quand un membre de la famille part pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on sent le poids de cette séparation, le poids de cette absence. C'est encore pire quand il s'agit de la mort qui nous sépare de cette personne durant tout le reste de notre existence sur terre. Cela donne à penser, cela donne à réfléchir, cela donne à méditer. Et souvent, nous avons le désir, l'envie, le sentiment de faire réveiller cette personne, mais nous sommes incapables de le faire. Les nous tendez témoignages, monde qui t'a vu bon côté, Monsieur Joseph, comment il y a un monde qui t'a apprécié tout le monde? Comment il y a un monde qui t'a remé en million? Comment il y a un monde qui t'a remé petit lio, petit lio? Comment il y a un monde qui t'a remé madame ni? Comment il y a un monde qui honnête, qui respectueux? Eh bien, ça capable de nous comprendre qui vide séparation ça, l'équité dans caille là. Qui vide séparation ça, l'équité dans famille là. Qui vide séparation ça, l'équité dans entourage là. Parce que Dieu, c'était monde tout le monde. C'était amis tout le monde. Il t'a aimé faire petit voyage avec amis yo pour le visiter, aller à l'aventure, pour être capable de découvrir plus de beauté qui est dans le monde. Il était toujours allé visiter les amis. Il était un monde qui aimait jouer au domino, une façon pour être capable non seulement de divertir, mais partager avec les amis que content. Eh bien, je dis, bon Dieu lui-même, il prend les amis dans nous, parce que nous connaissons. Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Un jour, pèlerinage pas là est pour finir. Même Jean, pèlerinage pas là, lui fini. C'est dans ce sens, frères et sœurs, qu'on affirme le pire ennemi de l'homme, c'est la mort. La mort est le pire ennemi de l'homme. Parce que quand elle arrive, elle s'en va avec qui nous avons l'habitude de partager nos joies et nos peines. Elle s'en va aujourd'hui avec M. Joseph Valin, avec qui vous avez élaboré, rédigé de longues pages d'histoire, avec qui vous avez l'habitude de rire, de partager, de se promener, de dialoguer, avec qui vous avez des projets en cours. Papa Sa, Katia, Joseph Junior, Mirand, le Jean Pédia, c'était un papa spécial. C'était un papa qui était joué au lit tout bon vrai comme papa. C'était un papa qui était préoccupé lui pour bien-être petit Lio. Qui était préoccupé lui pour épanouissement petit Lio. C'était l'hypati qui était nous. Quand on est conscient de cette réalité, quand on voit cette réalité en face, on est dépouillé de ses forces, on est dépouillé de ses attentes et même parfois du désir de continuer notre parcours sur cette terre. Il y a des gens qui parfois sont tombés en dépression à cause de la mort de notre chair, qui ne sont pas capables d'accueillir cette séparation, qui ne sont pas capables de vivre sans la présence de cette personne tant aimée durant
un bon moment, tant aimé durant toute la vie. Mais c'est une réalité, la réalité de la mort. Et nous sommes tous incapables, en face de cette réalité, pour donner une réponse contraire. Face à une telle situation, face à une telle réalité, face à ces épreuves dans la vie, l'unique chose qui peut nous aider à remonter ou à monter la pente, c'est la foi. La foi en un Dieu qui promet la vie après la mort, car pour lui, tous sont vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, affirme Jésus en réponse au Sadducéen qui ne croyait pas en la résurrection des morts. Luc chapitre 20, verset 38. C'est elle qui a pu aider la Vierge Marie à accepter la mort de Jésus et à vivre le temps de deuil dans la totale sérénité. C'est cette foi qui avait poussé les pharisiens à défendre ses Paul au tribunal en prenant le contre-pied des Sadducéens. C'est cette même foi en la résurrection qui avait animé tant de chrétiens à accepter le martyre pour la cause de l'évangile du Christ. C'est cette foi en la résurrection qui nous rassemble aujourd'hui autour du corps sans vie de notre frère Joseph Valère pour lui rendre un dernier hommage. C'est cette même foi qui vous habite encore aujourd'hui, les membres de la famille Valère, qui peut vous aider, qui peut vous donner la sérénité, le courage, la patience, la force, la volonté, l'enthousiasme pour accepter et vivre cette épreuve. Mes mots et mes conseils, les mots et les conseils de tous et de chacun ne suffisent pas pour vous aider. Pleurer ne suffit pas. Se lamenter ne suffit pas non plus. Seule la foi en la résurrection peut suffire pour accepter, pour assumer et célébrer le départ de votre papa vers la maison du Père. Une situation qui a choqué tous les proches de M. Joseph Valère parce que je nous connais littéralement en milieu. Je nous connais littéralement famille, je ne connais littéralement pays, Haïti. Il était obligé de déplacer, quitter le pays, mais il était toujours envie pour y retourner. Chaque lèvre de temps, il était retourné la caille parce que Kelly était resté la caille. C'est alors que vous pouvez faire votre les paroles de Job dans l'Ancien Testament. Sorti nu du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un nom de Dieu et le malheur. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Ces paroles saillantes me pensent qui est capable de matin consoler Katia, qui est capable de matin consoler Mirlande, qui est capable de matin consoler Joseph Junior, qui est capable de matin consoler nos gens. Nous capables de reprendre parole de Jobio, nous faire tourner propre parole par nous, pour nous capables de comprendre que c'est une réalité en pile monde. Nous tous, nous chaque, nous gagnons pour nous vivre. L'homme, il est là pour nous tous, il est là pour nous chaque. Ou bien, vous pouvez faire vôtre les mots de ce Paul apôtre à Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juge me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, a continué. Eh bien, pèlerinage, M. Joseph Soutéa, il finit, mais nous gagnons assurance
que dans la façon de faire témoignage, dans la façon de vivre, remet bon Dieu, dans la façon de vivre dans la charité, la communion, l'unité, dans le pardon, bon Dieu, réserve pour lui une place côté pour y aller reposer. Je nous te dis au commencement, côté qui n'a pas gagné, ni crié, côté qui n'a pas gagné, de l'honneur encore. Mais pourquoi je dis les mots de Saint Paul? C'est parce que votre papa, M. Joseph, dit Dieu était un père responsable. Il aimait Dieu, il aimait ses frères et sœurs. Il avait témoigné l'amour du Christ à travers ses actions et ses paroles. Il est maintenant prêt pour aller recevoir la couronne qui lui est réservée. Vous devez donc être fier d'avoir un tel père, un tel papa, un père qui avait consenti toutes les fatigues nécessaires pour pouvoir nourrir, éduquer en nous, pour pouvoir répondre aux besoins de sa famille. Quelqu'un qui était vraiment généreux, vraiment respectueux, vraiment solidaire, vraiment prudent dans ses actions. Si vous êtes en ce que vous êtes aujourd'hui, les fils, la fille, les petits-fils de M. Joseph, c'est en grande partie grâce à ses efforts, grâce à son sens de responsabilité comme père de famille. Eh bien, c'est non ça ni aujourd'hui, hein? C'est parce qu'elle t'a accepté faire gros efforts, gros sacrifices dans la vie. Et plus d'eux sont nés sans connaître leur père parce qu'ils n'ont pas accepté de jouer le rôle de père. Ils ne sont que des progéniteurs. Tel n'était pas le cas pour votre papa. Il avait assumé jour et nuit toutes ses responsabilités. Alors, soyez fiers de ce père que Dieu vous avait donné. Oui, comme tout le monde, il n'était pas parfait, mais il avait donné le meilleur de lui-même pour voir s'il pourrait répondre à l'invitation de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mes fils et mes filles, oui, vous êtes attristés. Vous êtes attristés, c'est normal, parce que la séparation n'est jamais facile à accepter. Ce papa que vous avez tant aimé, pour qui vous avez tant de projets, vous a quitté. Cependant, vous avez aussi raison de rendre grâce au Seigneur. Oui, le Seigneur mérite vos actions de grâce pour ce Père qu'il vous avait donné pour vous accompagner durant toutes ces années de votre existence. Il était là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous consoler, pour vous encourager et même pour vous corriger quand vous étiez détourné du vrai chemin. Il a vécu pendant 74 ans sur cette terre. Il a vécu pas mal d'années avec vous. Il a pu inculquer en vous tout ce qui est nécessaire pour que vous aussi, à sa suite, puissiez prendre votre responsabilité comme père de famille, comme mère de famille, comme membre digne de cette famille pour continuer à donner témoignage de ce père tant aimé, M. Joseph Valère. Plus d'un n'avait pas eu la chance d'avoir une figure paternelle à la maison. Plusieurs mamans sont obligées de prendre en charge toutes seules les obligations d'une maison en jouant à la fois le rôle de père et de mère. Dans votre cas, c'était nettement différent. Vous avez en vous l'empreinte de cet père. Tous ceux qu'il avait semé en vous depuis votre naissance jusqu'à sa mort doivent donner du fruit. Pour montrer vraiment votre attachement, votre amour pour ce Père, ce cadeau tant précieux de Dieu, il est une obligation de pratiquer dans votre vie tous les conseils qu'il vous avait donnés. Parce que vous êtes et vous serez toujours le miroir à travers lequel on va regarder M. Joseph en action, puisqu'on dit toujours tel père, tel fils, telle mère, telle fille. À travers vous, M. Joseph demeure vivant. À travers vous, M. Joseph est encore présent dans la communauté. On dira bien, c'est le fils, c'est la fille, c'est le petit-fils, c'est la petite-fille de M. Joseph. Alors, soyez prudents et prudentes
dans vos actions. En outre, mes fils et mes filles, vous pouvez dire avec courage, papa va en paix. Papa va en paix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as été pour nous. Nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras incarné dans notre vie, gravé en lettres d'or dans nos esprits. Que la terre te soit légère et que le Seigneur, dans son amour miséricordieux, t'accueille dans sa maison pour que tu puisses reposer en paix. Joseph Valère ne vous appartenait pas pour toujours. Il appartient à Dieu, qu'il avait créé par amour et qu'il a appelé chez lui. C'est ce que Saint Paul nous a montré dans la première lecture, extraite de sa lettre aux Romains. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Il était votre Père Saint, mais appartenance du Seigneur. C'était pour un temps limité que vous aviez ce papa. Maintenant, le Seigneur veut qu'il soit chez lui. Demandons la grâce à ce Dieu d'amour pour pouvoir accepter cette séparation, car nous savons qu'il sera entre de bonnes mains. Les mains du Seigneur, son Dieu et notre Dieu. Et Jésus, dans l'excès de l'évangile proclamé dans cette célébration, vous a montré que tout n'est pas fini avec la mort. La mort n'est qu'un passage de la vie vers la vie, un passage de ce monde vers la maison du Père, là où il y a place pour tout le monde. C'est ce qu'il voulait faire croire à ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils. Les fils, la fille, les petits-fils, le fils adoptif de M. Joseph, qui peuvent vous aider à accepter et assumer dans la foi cette séparation. Soyez conscients que votre pèlerinage n'est pas encore terminé sur cette terre. Armez-vous de valeur, de courage pour avancer vers l'avant, car tout n'est pas fini avec la mort de Dieu. Il y a encore pas mal de raisons pour continuer à vivre, pas mal de raisons pour continuer à lutter. Vous devez pleurer la mort de votre papa qui est parti, car les pleurs sont considérés comme des valves que Dieu a mis en nous pour nous libérer de la douleur, de la tristesse qu'il y a dans notre cœur. Jésus en est l'exemple. Lors de la mort de Lazare, Jésus pleura. Jésus t'a crié, le Lazare lui-même lui t'a mouru. Nous-mêmes, tous nous capables de crier, les nous avons un monde qui mourit, parce que ça a aidé nous en pile. Mais il faut rendre grâce au Seigneur pour tout ce que vous avez vécu avec M. Dieu qui n'est plus. Les beaux et les mauvais moments qui sont inoubliables dans votre vie. Rappelez-nous, dernière parole, nous t'ai dit nous. Rappelez-nous, dernière fois, nous t'ai sorti ensemble avec lui. Rappelez-nous, dernière fois, nous t'ai causé avec lui. Rappelez-nous, dernière fois, nous t'ai eu chance pour nous embrasser lui. Rappelez-nous, dernière fois, nous t'ai eu chance pour nous mettre manger dans bouche lui. Papa, ça, il était spécial pour nous. Et nous-mêmes, tout, nous t'ai spécial pour lui. Mais il pas pour nous pour tout temps. Bon Dieu, prends lui aller avec lui. Troisième conseil, vous devez chercher votre réconfort en Dieu par le biais de la prière et l'espérance de la vie éternelle. Il faut prier, mes frères et sœurs. Priez pour que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour que vous puissiez accepter cette séparation. Quatrième conseil,
pour surpasser la mort de notre chair, vous devez comprendre que la vie continue et que vous devez continuer. Vous devez avancer vers l'avant. Tout n'est pas fini avec la mort de M. Joseph. Tout n'est pas fini. Vous avez encore raison pour continuer à vivre, pour continuer à lutter. Il y a une vieille chanson espagnole qui dit « La vida sigue » d'un fameux chanteur espagnol Julio Iglesias qui nous fait souvenir une chose. Toujours, il y a pourquoi vivre, il y a pourquoi lutter. Toujours, il y a pour qui souffrir et à qui aimer. À la fois, les œuvres restent, les gens s'en vont, d'autres qui viennent les continueront. La vie continue. Dieu allez, nous-mêmes nous là. Nous gagnons raison pour nous continuer à lutter, continuer à chercher, continuer à avancer. C'est pour vous dire, mes fils et mes filles de la famille Valère, et vous tous ici réunis, il y a toujours une raison pour continuer à lutter malgré les vents contraires qui peuvent souffler dans votre vie. Il ne faut pas seulement nous préoccuper pour les personnes qui nous ont quittés. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a pas mal de personnes dans la famille qui ont encore besoin de vous. Que le Dieu de la vie vous comble de ses grâces pour pouvoir monter cette pente et refaire votre force pour continuer à vivre et à lutter. Et que notre mère, notre maman, notre dame du perpétuel secours, aujourd'hui, vous accompagne, intercède pour vous, vous aide comme elle était au pied de la croix de Jésus, à pouvoir assumer, accepter dans la sérénité le départ de M. Joseph. Votre papa, votre grand-père, votre ami, votre oncle, votre conseiller. Que le Seigneur nous donne la force de lutter, la force pour continuer à avancer dans la foi, l'espérance et la charité. Et maintenant, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour faire monter vers le Seigneur nos prières, nos intentions de prière pour le repos de l'âme de notre frère Joseph Ramirez. Joseph Valet dans la ville. On dit merci tout pour ça frère nous t'es fait pour nous dans la ville. Pour tout ça il t'es fait pour programme bon Dieu a réalisé sous terre. En nous la prière. Allez.
faiblesse nous yo ralenti travail bon Dieu sous terre. On demande bon Dieu pardon pour péché frère nous Joseph Valère et pour tout péché par nous yo. En nous la prière. Demandez bon Dieu, gros comprendre avec un peu de courage pour nous mettre un terrain côté sens la vie à y être tout bon. En demandez aide nous faire toute faveur, les fènes, bail tout rendement, yon mérité bail. En nous la prier. Encore le Seigneur. Bon Dieu, papa, ou pas jambes bouquet remet nous, ou pas jambes bouquet montrer une cœur sensible. T'en prie pour les gens, son petit tout qui en deuil. Et pour qu'à nous, même Jean Jésus, grand frère louant, t'es pour qu'à 100 millions dans l'amour Lazare. Pas pour vous, Jésus qui remet nous, petit tout. Et les vivants, les rois, les bon Dieu, l'homme commandé ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Seigneur. Depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Tu m'as gardé, Seigneur, dans ton amour. Ma vie, tu l'as marquée pour toujours. La voici, ma foi est ancrée en moi pour toujours. Il deviendra vers du salut. Garde Seigneur dans ton amour. Ma vie, tu voici ma voix, elle est ancrée.
prions, nous la prions ensemble. Pour qu'on mette la capable contre la messe, qui se service, l'église l'IA. Oui, c'est louange pour nous. Bon Dieu, c'est bénédiction pour nous-mêmes et pour tout le monde. Bon Dieu, papa, ou même qui est tellement bon. T'en prie, voyageons sous cadeau. Approfrir aujourd'hui. Et toi, songé, Joseph Valère, qui finit voyage les sous terre. Pour tout ça, Joseph Valère t'es fait. Qui était d'accord avec volonté, acceptez louange nous, pour tout ça, il t'est fait, qui n'est pas bon, et qui mettait travail en retard, montrez-le qu'un sensible roi, par pouvoir Jésus-Christ, remettre-nous. Amen. Remettre-nous avec notre et avec au même tout. Oh, nous lever que nous verrons. Nous déjà devant grand maître là. On oh, nous dit grand maître là, merci. Il méritait ça vrai. Oui, ou méritait ça réellement vrai. Pour nous dire oh, merci tout le temps et tout le côté. Au oh, même bon Dieu grand maître, papa qui sait qui gagne tout le pouvoir. Pour te Jésus-Christ, vous réveillons. C'est lui qui bat l'espoir, le revivant. Parce que lui, c'est grand frère qui croise le monde. Et qui relève pour le séparer avec nous. La vie tout neuf, au même papa, te fait le cadeau. Comme ça, chagrin met en paré nous. Parce que l'amour frappe toujours. Mais promesse la vie qui pas jamais finir. Bon espoir et soutenir, courage nous. C'est pour qualité merveille ça n'a fait au compliment. Au même bon Dieu qui remet la vie. À. Réellement vrai, la vie monde qui croit dans le pape Jean Filinette. C'est changer seulement les chances. Dans la vie comme dans le monde, c'est pour Jésus-Christ, grand maître la nouille. Qu'on s'en côté lié. C'est là tout, toutes en milieu va rassembler. C'est à qualité la foi, ça n'a fait service à Julia. Et étant nous certains, Jésus-Christ là avec nous. Et là-bas, nous manger quoi que sans lit, qui ont été en bas pour voir la mort pour tout le temps. Bon Dieu, grand maître, papa qui sait qui a tout pouvoir, acceptez l'orange d'affaires pour vous. Peut-être au créer pour la vie qui pape jamais finir. Mais pour service nous rend capable de faire au plus plaisir plaisir toujours. Qui te mette ensemble avec toutes les amis, qui est déjà dans la vie tout bon, et qui a chanté s'arrêter. Sanctus Domino Deus Ambaro. Sanctus Sanctus Domino Deus Ambaro.
c'est vous qui sait tout le monde. Et tout ça qui sait, c'est dans vous qui sorti. T'en prie, fais l'espoir, mais tes cadeaux, ça y aura pas pour vous. Comme ça, c'est pour avantage pour nous. La bâtonne, corps, accent, Jésus-Christ, comme nous. Le Jésus accepte de souffrir pour pouvoir volonté par jouer au trahir là. Les propres lui dit vous merci, lui bénit, lui casser le bail, pas disant lui dit yo. Prends, manger la dalle notre, réellement vrai, ça c'est qu'au point, ma bail pour nous. Calice là, les tonnes dit ou merci, les bails baptisant lio, les dio. Prends, boue la dalle notre, réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est ça le contrat qui va là pour tout le temps, c'est ça qui va le couler pour nous, pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Allah, yon belle merveille, nous pas cap comprendre. Mais nous c'est dans son jeu, Jésus te mourir et puis le lever. N'a pas vos pains qui baille la vie à Calice qui porte des livres là. N'a pas dit merci parce que vous faites nous mériter paraître devant vous pour nous servir. Tant pis, comme être fait d'esprit, Seigneur, ensemble nous faisons. Peut-être qu'on accent Jésus-Christ à manger. Comme être songez le Christ roi qui gagne sous terre, fait les filles remèrent ou net. Songez Pape François, songez Monseigneur, l'honneur et Saturné, ensemble avec tout le monde qui reste responsable, partisan ou yo. Songez Joseph Valère, ou relevin jouen nous. Comme le lit baptisé, lit mouriak petit roi, tant pri fait lever tout, même Jean petit roi levé. Songez tout fraction nous qui mourit, tout le monde qui mourit, dans la famille Valère, à quel point va faire au lever un jour. Songez tout le monde qui mourit autour, recevoir la caillou dans la lumière ou là. Tant pri grand maître, fais nous grâce. Fais la famille attristée, en deuil et grâce. Fais nous mériter jouer de la vie qui va jamais finir. Ensemble avec Marie qui vierge et qui maman bon Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours. Ensemble avec Joseph, Monsieur Marie-Élie. Ensemble avec Messie Jésus-Christ. Ensemble avec tous les amours qui te marchent dans le chemin où l'on t'a vu sous terre. Bernadette, Gérard Alphonse. Comme ça, nous faisons louange à compliment pour vous, pas pour voir Jésus-Christ, petit tout. Bon Dieu, ou même qui gagne tout pouvoir et qui fait une avec l'Esprit Seigneur,
C'est par pouvoir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est au nom de lui. Où joignent toute qualité, louange, accompliment, depuis tout temps et pour tout temps. Comme nous faisons dans l'Esprit Saint, frère, mieux sommes nous sommes capables de prendre matin, belle prière Jésus-Christ, t'es quitté pour toi. Papa, nous, qui dans le ciel là, c'est pour vous respecter nous. C'est pour vous reconnaître, c'est vous qui voit. C'est pour volonté vous faites sous terre, tant que dans le ciel là. Mais nous avons besoin chaque jour, bonne ligne aujourd'hui, pardonner ça nous fait, tant que nous pardonnons les gens qui font nos quichons. Pas quitter nos points en piège, mais délivrez-nous à ça qui mal. Grand-mère, tant pis, s'il vous plaît, délivrez-nous à tout ça qui mal. Fait que nous posons pendant toute la vie, nous. Aidez-nous pour jouer un bon cœur. Délivrez-nous à tout péché, nous. Et protégez-nous pour qu'un mal n'est pas arrivé, nous. La bestie de Dieu, on peut mettre nous en. Sauvez-nous Jésus-Christ, qui a béni. Parce que c'est vous-même seul qui voit. C'est vous-même qui avez tout pouvoir. C'est vous seul qui mérite et qui a pour tout temps. Jésus-Christ, grand-mère, c'est vous-même qui dédié à tout nous. Vous apprenez nous vivre ensemble, c'est ça, mon vie, pour devant nous. Tant prie, va garder sous péché, va débiter aux gens les bisous à point à vous. Nous demandons pour nous vivre ensemble et pour nous vivre où j'en voulais. Nous-mêmes qui vivons et qui voient depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est pour grand mettre la voix, nous vivre ensemble. C'est pour toujours avec nous tous. Bien sûr, mieux à la chance pour nous-mêmes. Jésus invité matin, envie de manger, manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui vous était péché sous terre. Grand-mère, moi pas mérité entrer la caille, moi. Mais il y a une seule petite parole et non moins va guérir. C'est pourquoi, sans Jésus-Christ, soutenez-nous pour la vie qui va jamais finir. Jésus pour la gloire du Père. Marie, conduis-moi, car il aime mon chemin et ma vie. Marie, conduis-moi, car il est vérité tout entière. Marie, conduis-moi dans l'amour et la paix de Jésus. Marie, conduis-moi à Jésus pour la gloire du Père. Marie,
merci, Seigneur, pour ce jour qui apparaît. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ton amour. Merci, Seigneur, pour le travail accompli. Sois mon refuge et mon soutien, Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Sois mon refuge et mon soutien.
prions le Seigneur. Bon Dieu, ou c'est grand maintenant, ou c'est papa nous. T'en prie, bon la foi chaque jour plus faible. Dans Jésus qui grand foi nous. Ou levé bien vivant, saute dans la mort. Comme ça, nous comprenons tout bon vrai. C'est pour la vie où créer nous. Nous ne pouvons pas garder la mort tant que nous finissons. Et nous travaillons sous terre. Pour tout plan, la vie où nous réaliser. Avec espoir un jour. Tout petit ou va sembler bon côté ou dans le content. Qui pas j'en finir. Par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous rend. Autorité civile et religieuse, amis d'ici et d'ailleurs, chère famille, quand une personne que vous aimez s'envole, une partie d'elle reste attachée à votre cœur. Son sourire, ses yeux, son parfum, le son de ses rires sont des souvenirs qui ne nous abandonneront jamais, pensée tirée d'Internet. Ainsi, les familles Valère, Montelus, Létan, Bien-Aimé, Laguerre, Napoléon et Vilma vous remercient d'être venus dire au Rivra pour regretter mon père et par la même occasion soutenir les familles endeuillées. Monsieur Joseph Valère, dit Zo ou dit Mwetcho pour les intimes, est parti pour l'éternité après un certain nombre de temps ou encore un certain nombre d'années de lutte contre l'hyperglycémie chronique, communément appelée maladie de sucre ici en Haïti, et de la pneumonie. Au début, il a toujours fait preuve de courage face aux différentes étapes de son traitement, face aux déceptions et aux crises. Néanmoins, à un certain moment de sa vie, il a baissé les bras, il a abandonné, refusant de prendre les traitements. Comme nous étions tous dans l'ignorance, il se pourrait qu'il se préparait enfin à son départ. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Joseph Valère, né le 14 mai 1948 à Limbé et décédé le 28 janvier 2022 à 4h du matin à l'hôpital Roodmont University à Fort Lauderdale. Il est mort à environ 74 ans. Il était le cinquième fils d'une famille de 8 enfants. Il a quitté Haïti en 1975 pour aller d'abord aux Bahamas. 2 ans plus tard, il s'est installé aux États-Unis. Depuis 5 ans, il envisageait de retourner en Haïti. Jusque-là, il a décidé de faire des allers-retours entre ces deux pays. Haïti, son pays natal, et les États-Unis où il a pris leur nationalité. Cependant, à la fin de l'année 2021, tout le monde était convaincu qu'un retour définitif en Haïti était la meilleure solution puisqu'il avait l'âge des retraités. Il s'est trouvé dans une situation quelque peu compliquée car sa santé s'est détériorée continuellement. Par conséquent, du conseil avec sa femme et ses enfants, cette décision a été prise qu'il retournerait aux États-Unis afin de consulter son médecin. Pour les détails, permettez-moi de vous introduire sa petite fille, Ednika Létan, qui vous expliquera comment Zo endure la maladie jusqu'au dernier jour.
il a été admis dans un hôpital du Cap-Haïtien le 23 janvier 2022. Et les premiers résultats ont soupçonné la présence d'eau dans ses poumons. Ses enfants immigrés aux États-Unis ont insisté pour qu'il retourne aux États-Unis. Le 26 janvier, alors qu'il se prépare à rentrer à Fort Lauderdale, sur le chemin de l'aéroport du Cap-Haïtien, il a été informé sa première fille de son état, car il était très faible. Sa fille a pris des dispositions pour voir comment il pourrait être assisté une fois arrivé à l'aéroport du Cap-Haïtien. J'ai promis à mon grand-père de lui prodiguer les soins nécessaires une fois que j'aurai terminé mon école de nursing. Malheureusement pour nous, il a été admis d'urgence une fois arrivé aux États-Unis, sans que nous ayons pu échanger un seul mot avec lui. Selon le rapport des médecins, le 27 janvier à 3h du matin, son cœur a cessé de battre. Mais après la manœuvre, le cœur s'est remis à fonctionner. Depuis lors, il a été transféré dans l'unité de soins intensifs. Pour tout vous dire, à ce moment-là, la famille était déjà inconsolable. Finalement, le 26 janvier à 4h de l'après-midi, tout était terminé. Mon grand-père, qui était si sage et si doux avec ses enfants, n'appelait jamais ma mère et ma tante par le nom. À la place, il utilisait toujours des surnoms comme Mille pour Mirland et K pour Katia. Voilà, chers assistants, le grand-père que nous avons eu va en faire grand-père. Alors, je n'ai jamais entendu personne à un enterrement ou une funéraille dire mal du défunt. Nous voulons être justes. Zo était une personne exceptionnelle. Il ne levait jamais la voix. J'ai eu la chance de vivre à ses côtés près de 2 décennies, malgré la distance. Joseph Vallet était un homme gentil et attentionné, dévoué aux autres. Il se souciait des autres avec une passion comme je n'en ai jamais vu. Dès son plus jeune âge, il aimait la musique, les danses, et était un fan de l'orchestre septentrional de Rodrigue Millien, etc. C'est lui qui m'a amené pour la première fois de ma vie à un bal organisé à Limonade. Il ne se souciait pas de l'âge, car il était l'ami de tous. C'était un homme juste, il aimait sa famille et il aimait son prochain. Dans le même esprit, côté que nous dit, pas tenu compte de l'âge, il toujours aimait tout le monde, ou pas visiter là-bas, pour ne pas mener on a un buffet. C'est toujours un plaisir pour le faire. Lorsque les gens ont immigré l'un après l'autre, eh bien, à chaque fois qu'ils rentrent, ils toujours prennent plaisir pour passer une journée avec lui, à loin qui job l'a fait, aller dans le taxi avec lui, passer une journée, non seulement lui permettre de découvrir, mais en même temps lui permettre de voir exactement qui ça l'a réglé. Et dans la même histoire, remet la vie, hein, après, elle a fini perdre la première madame, qui c'est maman Timon Lio. Finalement, elle a refait ville. Donc, c'était un monde comme ça. Notre fait compère a donné naissance à 3 enfants et un autre qu'il a adopté, dont l'aîné Mirland Givalet, le temps qui ouvre la voie au reste de la patrie. Katia Givalet, bien-aimé, Joseph Junior Valet, Lujan Laguerre. La famille, en mon humble organe, tiens à remercier ici tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont attristés par ce départ. Toutes nos condoléances à sa femme née Immacula Napoléon, ses enfants et beaux-enfants, Mirland J. Valère Létan et son époux François Létan, Katia J. Valère et son époux Mixon bien-aimé, Joseph Junior Valère, Lujan Laguerre et sa femme née Loulouse Bellus, ses petits-fils Rugby Létan, Ethnica Létan, Edgar Laguerre, Daphne Kayel, Daniel, son beau-fils David Gracia, ses frères Elvéis Valère et sa femme, De Rosier Valère et sa femme, Jacques Don Montelis et sa femme. Moi, j'ai un dernier nom là, malheureusement, pas qu'à citer. Lorsque, au cours de la semaine passée, on m'a enterré pour te dire, retirer non ton tombe dans l'annonce là, parce que lui mourit sans qu'il va même bien chance, ouais. Frère, il n'a pas enterré malheureusement. C'est Névez Yenès et Enès, Carole Valère,
Francky Valère, dit Fanfan, José Valère, Hervé Valère, Fébert Valère, José Valère, Jean-Édi Valère, dit Ludnik, Mouril Valère, Josnel Valère, Fanny Valère, Viola Valère, Emmanuela Montelus, dit Maman, Marie-Berthe Montelus, Newton Montelus, Monel Valère, Patrick Montelus, Yudi Montelus, Elvie Montelus, ses cousins et cousines. Ses amis, en particulier Roger, qui malheureusement est empêché, mais il y a une autre, Josier, qui est là parmi nous, qui a fait le déplacement, enfin, et à ses amis, chauffeurs de taxi à Fort Lauderdale. Enfin, nos remerciements vont aux amis des États-Unis qui ont sacrifié leur temps et leurs activités pour venir accompagner, pour venir nous accompagner. Citons entre autres Samy Edmond, Josué Villemar, Madame Fizeli, bien-aimé, Franz, bien-aimé, Stanley, bien-aimé, Eddie Henry. Merci Joseph d'avoir toujours été présent. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer l'immense vide que ton départ nous procure. Seuls les souvenirs restent et nous les conserverons à jamais dans nos cœurs. Merci à toutes et à tous. Nous sommes arrivés au moment de nous séparer avec un monsieur Joseph Valet, le dernier adieu. C'est un moment très difficile à accepter. Mais c'est ça la réalité, comme on dit souvent, la réalité s'impose. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre père, Joseph Valère. Avec respect et affection, confions lui à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ est victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Je vous invite à vous lever, à vous recueillir, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec M. Joseph Valère, à ce qu'il est pour nous. À ce qu'il est pour Dieu.
sur les chemins de la vie. Sois ma lumière, Seigneur. Chemin de la vie, sois ma lumière. Et toi, Seigneur, je marchais dans la nuit. Tant de soucis me tiraient loin de toi. Au long des jours, j'ai voulu ton appui. Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Entends les cris des enfants qui ont faim. Ne permets pas que la vie soit brisée. Quand vienne la guerre et la mort du voisin, c'est ta passion chaque fois à vivre sur les chemins. Sois ma lumière, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'ai marché dans la nuit. Tant de soucis m'attiraient loin de toi. Au long des jours, j'ai voulu ton appui. Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie, vous êtes bénie. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos seins, est béni. Sainte Marie, maman, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En signe de respect pour vous, Joseph Valère, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie, vous êtes bénie. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos seins, est béni. Sainte Marie, maman, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Katia, Irlande, Joseph Junior, Lojean, les petits-fils de M. Joseph Valère, Madame Immacula et tous les autres membres de la famille, l'Église partage avec vous ce moment très difficile de tristesse, de peine, de deuil, qui nous rappelle toujours le vendredi saint, le jour de la passion de Jésus-Christ. L'Église vous invite à prier, mais l'Église vous promet également le soutien de ses prières. Je vais continuer à prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous aider, comme il avait aidé la Vierge Marie à accepter le départ de Jésus dans la foi, dans la sérénité. C'est pas facile, c'est très difficile pour vivre ce moment très difficile du départ de votre papa, de votre mari, de votre grand-père, de votre frère, votre oncle, votre ami. Mais la réalité s'impose. La mort est une réalité que tout le monde doit passer par elle. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix. Alors, c'est de nous ouvrir à la résurrection du Christ, parce qu'il n'avait pas seulement le vendredi saint, il avait aussi un dimanche Pâques. La foi dans la résurrection peut nous aider à monter cette pente très difficile, peut nous aider à continuer à avancer dans la vie, dans la foi, la paix, la sévérité. Nous remercions toutes les personnes qui sont ici présentes
pour manifester votre solidarité fraternelle, votre sens, je veux dire, chrétienne, avec votre sens chrétien, avec toute la famille Valère. Jean nous remet en créole, c'est l'homme malheur ou connaît si aucun bon ami. Dans moment difficile, ça l'engage de chaque monde qui l'a, c'est dire aux gens, non pas pour contre nous, yo avec nous. Il y a aidé nous porter quoi ça, il y a aidé nous partager douleur ça, souffrance ça. Et nous certains, bon Dieu, comme être là, pas quitter nous pour contre nous sur route là, là pas accompagner nous. Et là, vous voyez, bon samaritain pour aider nous dans moment difficile ça. Avancer au large. Et bon Dieu, a aidé nous. N'a pas la prière pour nous continuer à avancer vers l'avant. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Joseph Valère, ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de la vie nous bénisse. Lui qui dans sa bonté a créé l'homme, en son Fils Jésus qui ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Notre foi, comme si on prie. Courage, que mes femmes la prêtent une dans la prière. Thank you.
chers membres de la famille endeuillée, les proches parents, les amis, les alliés de partout, rassemblés en ce midi dans les parages du cimetière Port-au-Repos, plus particulièrement autour de la dépouille mortelle de notre bien-aimé frère, en l'occurrence, M. Joseph Valère, qui a déjà franchi la porte pardonnable de la vie, une porte, quand elle ferme, elle ne s'ouvre plus. Bien avant de commencer la cérémonie d'inhumation de notre bien-aimé frère, nous demandons à la fanfare de saluer pour nous le corps. Dans un temps maussade, où il y a presque un silence de mort, on entend seulement les murmures du vent qui se mêlent avec des pleurs torrentielles, juste pour dire qu'il y a une âme qui s'est envolée au confinement mortuaire, ne serait-ce celle de notre frère Joseph Valère qui nous a quittés à l'âge de 74 ans. Chers membres de la famille ici, rassemblés autour de la dépouille mortelle de notre frère, c'est autant que nous vivons avec nos proches, autant nous en formulons des vœux de santé. Mais en tant que tous humains, nous ne pouvons pas que l'une des lois de la nature fasse son chemin. Ainsi donc, on est, on vit et on doit mourir, comme dit la Bible. La Bible qui décrit la fragilité
et la délicatesse de chacun de nous vivant sur cette terre nous dit que nos jours s'élèvent à 70 ans et pour les plus trapus à 80 ans. Même quand il soit peu, pour les membres de la famille affligés, nous pouvons ainsi dire, c'est une grâce qui vous succède. Monsieur a passé avec vous 74 ans. Pour vous autres, les membres de la famille, nous pouvons réitérer encore, c'est une grâce. Raison, il y a dans certaines familles, ce sont les parents qui assistent au dépôt immortel de leurs enfants ou ce sont les parents qui accompagnent leurs enfants. Mais vous, les membres de la famille Valère, vous êtes tous là pour lui accompagner en sa dernière demeure. Puisqu'il a plu à Dieu de rappeler l'âme de notre frère, nous pouvons rien dire et rien faire. Rappelez-vous Job, le grand serviteur de Dieu, l'homme était. Job a vécu une vie triste, mais pour les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il a tout perdu, lorsqu'il a reçu un tas de nouvelles, Job n'a pu dire aucun mot. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son Seigneur soit glorifié. En cette triste circonstance, nous présentons au nom de tout le staff du cimetière Parc du Repos nos sincères sympathies à la famille endeuillée, aux proches parents, ainsi à tous ceux celles ici présents dans les parades du cimetière Parc du Repos, plus présentement autour de celui qui a déjà franchi la porte et pas au-delà de la vie. Une porte, quand elle ferme, elle ne s'ouvre plus. Nous demandons à Dieu de suer les larmes de vos yeux, de vous redonner la force et surtout comble le grand vide que Monsieur Joseph Valère a laissé au sein de sa famille affligée. Que l'âme de notre bien-aimé frère repose en paix en attendant le grand matin de l'éternité. Monsieur Valère part et repose en paix. Nous allons laisser à présent passer à l'inhumation où nous allons faire descendre le corps dans la sépulture, là où il va passer son dernier sommeil en attendant le grand matin de l'éternité. Sur ce, nous demandons à la fanfare de nous exécuter un dernier numéro pendant que chacun de la famille, les frères et sœurs, vont tenir une colombe pour dire à son papa, pars et repose en paix.
Thank you.